Bon, salut à tous et à tous, c'est Ross18. On se retrouve pour l'épisode 22 de Sly Cooper 2. Du coup, la dernière fois, on avait fait la mission aux bouteilles. Et du coup, on avait fait la première mission où il fallait faire les photos. Les lieux, voilà, pour mettre les. Ils fassent un plan. D'après les rumeurs, des gardes utiliseraient cet endroit dans leurs loisirs pour les réunions de leur club de mini-tank. Je suis super content. J'ai pas rejoué au mini-tank depuis notre dernière mission à Istanbul. C'était trop top. Alors, continuons notre exploration au Canada. Ne te laisseront pas rentrer dans leur club de mini-tank si facilement. Cette tête d'élan devrait faire l'affaire. Sauf que tu n'as aucun moyen de l'atteindre. Cache-toi dans ce tonneau pendant que j'envoie Sly chercher la tête d'élan. Enfin, ils auraient pu venir en même temps, hein, Sly. Sly, si tu parviens à shipper cette tête d'élan sans te faire repérer, ça permettrait à Murray de rentrer dans le club de mini-tank sans que personne ne le soupçonne. Voir comment il s'est mis. On doit être serré comme une patate. Ah merde, on peut pas les tuer. Voilà, moi. Là. Voilà, c'est bien. Merde, je me suis mis trop près. Voilà, ça me fait encore des trucs. Par où il faut monter déjà? Voilà. Hop. Je dis en lumière. Hop. Attendre. Hop. Hop. Ah non, c'est vrai. Il a pas peur de Sly de se faire couper les mains. Oula oula. Oh, allez, drogue. Allez, drogue à la berce au cannabis. Ouais, parce que quand ils tombent, on dirait qu'ils sont drogués. Merde, j'ai oublié ça. J'ai oublié ce détail qu'on pouvait le tuer. Ah, sérieux? Thank you.
Allez. Hop. Oula, oula. Attention, ça va pas te couper la main. Vas-y, saute, mieux que ça. Il a encore du truc, du pognon et un trésor dans son sac, dans sa poche. Pas la main, parce que... Mais là, rien. Hop, hop. Noé, attrape. Je file. Hé, les gars, qui serait assez fou pour affronter le mur? L'élan. Les paris sont ouverts. Oh, moi j'en suis. J'ai pas grand chose à parier, mais au moins je suis sûr de ne pas perdre contre un bleu comme toi. Oh là là. Il faut une certaine maîtrise pour contrôler ce type de mini-tank. Avec le joystick analogique gauche, oriente-le et maintiens croix enfoncé pour avancer. Ramasse les munitions et appuie sur carré pour enclencher la tourelle. Petite astuce, la tourelle n'est orientable qu'à l'arrêt. T'as gagné, mais j'ai pas d'argent. Ça peut s'arranger. On va voir. Comment ça? J'aimerais que tu me dises si tu sais où se trouve la batterie boréale. Bon, ok, je te dois bien ça. On dirait qu'il est bugué, sérieux. Ok, pense qu'on fera la revanche une fois, sauf qu'on peut pas la faire. Sauf en refaisant le jeu. Voilà. On va prendre Sly. Moucher les ours. Ouais, on va faire ça. Oh, my God.
sauvages de la région sont tous équipés de balises radio de pistage. Ah, pas tous, parce qu'il y a un ours qui traîne dans les parages. Qui nous permettra d'espionner Jean Bison. Ils ont pas tous les mouchards. Les gens, c'est toujours le top. Pour commencer, rentre dans cette grotte d'ours et vole les balises. Je m'y colle. Les balises radio ont été implantées dans la bouche des ours. Pour les prendre, attends discrètement qu'ils se mettent à bâiller. J'adore. Ne marche surtout pas sur la glace. Ça réveillerait les ours à coup sûr. Je m'en souviendrai. J'avais pas vu qu'il y avait de la glace ici. Et on recommence parce que... Oh mais sérieux, j'ai même pas monté. Merci. Mais je me suis pris quoi, sérieux? Mais la caméra, sérieux? Il ne peut marcher sur la glace, sérieux. Maintenant j'ai compris comment on marche. Ah putain, ils ont le semelle léger, hein. En fait, le repas Gustav ici, c'est une vraie merde. J'aurais pas pu mettre aussi attendu au pareil glisseur ici. Allez, alors on marche sur la glace, ça les réveille, mais on escalade de la glace, ça les réveille pas. C'est quoi cette logique? Allez, bye mon petit nounours. Allez, bye mon ourson. Merci. Et des fois, dans certains niveaux du jeu Sly, il y a une logique vraiment bête. On marche sur la glace, ça les réveille. Mais on escalade de la glace. Non, ça marche pas. Oula. Thank you.
Allez, bye. Je savais que tu y arriverais. Maintenant, sors vite, que je t'explique la suite. Yes. Une matrice captrice, nous allons devoir placer les balises radio à des emplacements précis tout autour du QG de Jean Bison. Mmh. C'est dans mes cordes. Quand tu es en position, appuie sur la touche cercle pour poser la balise. Le genre. Un pit d'or. Oui, yes. Allez, 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 plus vite. Genre, j'étais devant lui, il m'a même pas vu. Allez, allez. Oh, lui aussi, il a quelque chose. Ils ont tous les... Ils sont frères jumeaux, quoi, parce qu'ils ont exactement le même truc. Voilà. Ouvrez vos oreilles, les gars. Je vais donner les résultats du mois dernier. L'équipe de bûcherons bleus a atteint un total de 52 hectares de forêt. Pas mal. Vu le temps perdu à exterminer cette colonie de blaireaux. Et maintenant, l'équipe dorée, sacrée équipe, totalise à elle seule 85 hectares de forêt. Vous entendez ça? 85 hectares de nature en moins. Ça me ferait presque venir la larme à l'œil quand je pense à ces jolies terres fraîchement déboisées. Continuez comme ça, les gars, et bientôt nous pourrons construire nos maisons ici. Yes. Bien joué, la matrice caprice fonctionne. Yes. Bon, on va faire la dernière mission. Du jeu, mais voilà.
trouver une nouvelle entrée. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette mission-là qu'il y a le coffre. Slime, j'ai repéré ce qui pourrait bien être un guide de découpe aux rondins très ancien, qui pourrait nous être fort utile lors des jeux bûcheroniques. Malheureusement, il est coincé dans un mur de glace. Mais comment le récupérer? On attend que la planète se réchauffe. Un laser industriel sert à découper des rondins pétrifiés. En faisant passer un rayon par la fenêtre, avec ton aide, je pourrais exploiter son énergie pour faire fondre le mur de glace et prendre le guide. Je dois réorienter ce truc? Tu devrais trouver un interrupteur de l'autre côté du mur. Active-le et ressors vite. Ah oui, je crois qu'en plus il est de l'autre côté du coffre. Oula, c'est là qui s'est fait cramer. Plus les Cooper cramés au barbecue, merde. Vraiment, tu ne remets pas. Oh putain, j'ai fait une... encore tout ça, mais Slay. On Slay barbecue. Ça aurait été marrant. Ouais. Oui, il est pas ici en plus. Ah oui. Pas toujours, parce que dans Sly Cooper 1, tu pouvais pas ouvrir le coffre parce que tu avais pas battu Clockwork. Oula, il est bugué. Oula. Nom du petit tortier. Allez, dormir au cannabis. Et là, je sais plus du tout où il faut passer. Ben voilà. Yes. Tu as réussi. Le laser a été dévié et passe par la fenêtre. Et voilà, ça me tire. Enfin, on aurait pu avoir un bouton pour ouvrir, pour éviter de faire tout le tour. Bon, pour diriger le laser sur le mur de glace, tu vas devoir refléter sa trajectoire grâce aux cristaux que j'ai mis dans ton sac. Ah, je vois. J'ai juste à placer un cristal au bout du rayon du laser pour le faire refléter dans une autre direction. C'est comme si c'était fait. Le guide est à nous. Ah, on peut se cramer. Ah,
Allez, allez. Passé. Voilà. On est obligé de se prendre le coup quand même. Décor. Non mais sérieux. Non mais... Voilà. Putain, mais... On va réussir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. On est obligé de passer par là-bas. Non, putain. Oh, ça c'est chiant ça. Il y a un point bleu. Du coup, automatiquement ça, il va sauter sur... Non, non. Toi, tu fais n'importe quoi. Là, je te perds du temps.
Putain, des téléporteurs, ça existe pas dans les slides. Tu m'en veux Sly, parce que là tu fais vraiment n'importe quoi. C'est pas lui qui fait n'importe quoi, c'est moi qui fais n'importe quoi aussi. Je saute au rebord, pas là où ça glisse, où je peux m'agripper. Mais c'est très pas la voiture. Pas loin. À trouver une technique pour y arriver. Et putain, j'en ai marre. Là, on va faire... Ouais, c'est pas si compliqué que ça d'arriver au rayon. Et là l'autre bout. Je sais pas combien il faut en faire. Je me demande que là pour ça il n'y a pas un pourcentage. On va pas non plus se plaindre. Allez, allez, plus vite. Ah, un pied à raton laveur. Pas le temps de jouer avec toi. Évidemment. Donc je galère moins que tout à l'heure. Oh, c'est juste là. On va pas poser de problème.
Ah voilà. Méfie-toi, Sly. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dans la glace. Je n'ai jamais vu une créature aussi majestueuse, si pleine de vie, si prête à vivre. Quel dommage. Il repart dans le grand froid. Il est un bug. Allez, pleure pas, on a le guide du découpeau rondin. T'as raison, ça, il faut pas que tu pleures. Après lecture du guide de découpeau rondin, il semble évident que nous ne pourrons pas gagner les jeux bûcheroniques sans tricher. J'ai mis au point un plan, mais nous allons avoir besoin d'un œuf d'aigle, ce qui n'est pas facile à obtenir. D'abord, Murray doit se servir d'un ours pour détruire les bouches de pétrole. Une fois détruites, le pétrole pressurisé créera des courants ascendants dont Sly se servira pour se paraglisser jusqu'au nid des aigles, prendre un œuf et le ramener au refuge. Grâce à Murray et à son incursion au club de mini-tank, nous savons que la batterie boréale se trouve dans un silo non loin d'ici. Nous devrons y apporter quelques aménagements afin de pouvoir nous cacher dedans et monter à bord du dirigeable d'arpeggio. D'abord, nous la déchargerons grâce à des grappins de bateau. Ensuite, nous entrerons dans le phare et nous couperons l'alimentation de la batterie pour éviter qu'elle se recharge. Selon mes connaissances en ingénierie électrique, nous avons 97% de chances de réussir. Pas mal, non ? Super plan. Mais je sens que ça va être long à faire. Donc sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous, pour l'épisode 22, n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo, c'est pas de fait. Ce, à plus. Et je tiens à faire une petite précision, à m'esquiver. Parce que dans... Attendez, je vais sortir parce que... Voilà. Parce que durant ma vidéo, le top 3, enfin, Disneyverse 3, top 5, et ben... À la fin de mes vidéos, je dis, voilà, j'étais un peu violent parce que voilà, j'ai dit que voilà, que Trivas et puis les commandas, c'est quand ils commenceraient à développer le jeu. Donc je vais être franc avec vous, et quand on a un truc à dire, il faut vraiment le dire, mais il faut aussi s'excuser parce que voilà, c'est plus poli. Après, je mets aussi Trivas dans le coup parce que c'est lui qui a eu le projet quand même de faire le développement de Dragon Ball Rage Blast 3. Et on l'attend toujours. Alors je compte sur Trivas et je tiens à m'excuser puis je compte sur Trivas et puis les commandai pour un jour le développer. On attendra autant de temps qu'il faudra, mais on espère un jour l'avoir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner par cette vidéo. Sur ce, à plus.